Indomptable Mominga Maleu a écrit, il était temps pour que certains lions indomptables fassent des sorties, et lui il a fait une sortie sur sa page Instagram, son compte Instagram. Il ne comprend pas ce qui se passe. Vous avez vu la scène de l'hôtel Hilton, la honte, une honte totale. Des gens qui ne sont pas reconnus par la Fédération Camerounaise de football, qui veulent travailler et qui ont même travaillé à la place de la Fédération Camerounaise de football. Qui parle de football au Cameroun, parle de la FECAFOOT. Donc, c'est l'organe technique. Donc, l'organisation, c'est le travail de la fédération. Mais on a observé qu'on a mis en contribution un mercenaire venu de la Belgique pour venir semer du désordre. J'ai nommé Marc Brice. Et qui vient désorienter tout. Mais il n'a pas fait ça seul. Marc Brice n'a pas fait ça seul. Il a fait ça avec la complicité de ceux qui l'ont nommé. Et quand j'écoute certaines personnes disent non, il y a des joueurs qui préfèrent travailler avec l'équipe de Moelle Ekambi, c'est faux et archi faux. Aucun professionnel ne peut décider avec quel encadrement travailler. Ce n'est pas possible. En club et tout, ce n'est pas possible. Ce n'est pas des joueurs qui décident. Ils sont des salariés. Ce n'est pas eux qui décident. C'est le conseil d'administration. Et qui parle de l'équipe nationale du Cameroun, parle du gouvernement et parle de la FECAFOOT, donc parle de l'État. C'est l'État, quand je parle de l'État, là, je ne parle pas des agents de l'État. C'est le Cameroun, il y a des règles. Quand on parle de l'État, on parle du droit. Donc, il y a des règles qu'on a mises en place pour dire, voilà les agents de l'État de ce côté et l'autre, les supplétifs qui sont les techniciens à la matière. Voilà comment ça fonctionne, voilà comment ça fonctionne. C'est comme ça se passe. Ce n'est pas ce qu'on a vu là. Mominga Maleu écrit, les amis, let me read verbatim what the Indomitable Lions player wrote on his Instagram story. Chers membres de l'équipe nationale, le Cameroun et le football ne font qu'un depuis des années. Et le jeu a apporté au pays l'honneur et la reconnaissance au fil des ans. L'équipe nationale représente le pays dans sa joie et sa diversité. Et nous, les joueurs, comprenons la responsabilité et l'honneur de porter ce maillot. Cette responsabilité vous incombe aussi. Vous devez maintenir l'équipe apolitique. Vous devrez, écoutez très bien ce qu'il dit, vous devrez maintenir l'équipe apolitique. Donc, je ne vais pas analyser, mais le fait que c'est le ministre qui est impliqué actuellement, les amis, c'est la politique. C'est la politique. La fédération n'est pas la politique, mais le ministère qui s'implique là, c'est la politique. Donc, il souhaite qu'on maintienne cette équipe apolitique, les amis. C'est la responsabilité de ceux qui sont là. Et maintenir un climat sain autour de nous pour nous permettre de performer sans problème. Nous vous supplions donc d'outrepasser vos différences, de mettre l'ego de côté et rappelez-vous que nous sommes tous ensemble ici pour mettre le peuple camerounais sur la carte du monde et les rendre fiers d'être une partie de notre pays. Voilà donc la sortie des Mumingama, les amis, sur son story Instagram. Il dit des choses simplement, clairement. Those who have ears might be, if you've not got it, just go to his Facebook story and then you read it again there because it's clear, it's crystal clear that what is happening in Cameroon is too political. It's too political. Regardez maintenant que la FECAFOOT s'exclut maintenant du management de l'équipe camerounaise. Donc, le ministre va procéder comment? Marc Brice va procéder comment? Ça va se passer comment? Vous avez poussé à bout la FECAFOOT. Il y a eu beaucoup de compromis. La FECAFOOT a décidé d'accepter Marc Brice. Mais au ministère, on a décidé de ne pas faire de compromis. On a décidé que même des gens que la FECAFOOT devrait nommer, c'est eux qui vont nommer ces gens-là. Voyez-vous, les amis, d'où on est en train de partir là? It's a complex situation. It's a complex situation. Non, le comité d'urgence de la FECAFOOT qui s'est réuni à 11 h a parlé et ça fait peur. Parce que si la FECAFOOT est exclue de l'organisation de deux matchs, ça veut dire que le ministre va représenter la FECAFOOT. C'est Monsieur Moelle Ekambi qui va tout gérer, du début jusqu'à la fin. C'est sur quelle base juridique? Quels sont les textes qui permettent au ministre de faire cela?
On est en train d'aller vers quelque chose de chaotique, les amis. The situation is not good, it's not the best. Somebody somewhere should put an end to this. But it's a system. Et c'est le même système que Eto'o a soutenu. Quand vous pensez que ces gens-là peuvent être des gens réfléchis, c'est que vous vous trompez. Taking side with them is so, so dangerous. À ce moment, vous pensez que non, vous êtes enceintes, ils sont avec vous. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire subir à Samuel Eto'o aujourd'hui. Qui a prononcé des mots, le président m'a tout donné, il a fait ceci, il a fait cela. Regardez ce que les gens que le président a nommés sont en train de faire. Regardez ce que l'organisation qu'on appelle gouvernement est en train de faire aujourd'hui. C'est une honte. Espérons qu'entre-temps, d'ici quelques heures, il y aura une sortie pour essayer de calmer la situation, pour régler ces problèmes, parce que c'est chaotique. Thank you, friends, and bye-bye.